Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Carte Oracle 17 pour la guidance de la semaine. Semaine du 24 au 28 avril 2023. Par signe astro, nous démarrons avec les signes de feu. Lion, Bélier, Sagittaire, cette guidance est pour vous. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, nous regarderons déjà pour chaque jour de la semaine quel message, conseil, mise en garde avec Monsieur Augure Blanc. Ensuite, nous ferons un tirage avec le petit Lenormand de professionnel, de finance, de sentimental et de imprévu. Inattendu, nous agrémenterons avec une carte de l'oracle du muséum. Et nous terminerons avec une carte par signe de l'oracle d'Aïe, carte oracle 17. Voilà, pour commencer, on va regarder un petit peu quelle jolie plume pour vos amis, pour nos amis, signes de feu. Pour cette semaine du 24 au 28, amis Lion, Bélier, Sagittaire, quel message, quelle jolie plume pour vous. Pour cette semaine, dans quelle énergie vous allez être? Nous, bleu roi, très jolie plume. La plume bleu roi, elle est magnifique. Alors, où est-ce qu'elle est cette plume bleu roi? Manifestation, les amis. Donnez un coup d'éclat à cette belle créativité qui est en vous. Elle vous invite également à porter une attention particulière à vos rêves. Notez les idées qui vous viennent à l'esprit dans un petit carnet. Vous serez surpris de les relire quelques temps plus tard. La plume bleu roi annonce également une ère plus prospère dans votre quotidien. Amis Lion, Bélier, Sagittaire, certainement de grands changements pour vous cette semaine. Quelque chose de prospère arrive à vous. Très belle, très beau message, hein? Très belle. Et en plus, cette couleur est magnifique. Allez, lundi, nous avons Psyll, le charmeur de serpent. Oh, attention, attention les amis, de ne pas être confronté aujourd'hui à quelqu'un qui va essayer de vous charmer. Bon, il peut y avoir aussi tout simplement que c'est aujourd'hui, vous allez être obligé de puiser dans beaucoup de ressources profondément en vous. Pourquoi? Pour faire peut-être face à un problème, une peur, à quelque chose où il va falloir rassembler vos forces. Et Psyll, il vous dit eh ben, que vous allez le faire. Parce que vous allez garder en tête qu'il y a ce danger qui est là, mais vous allez surmonter ce blocage. Vous allez surmonter cette paralysie peut-être que vous aviez, cette crainte. Mardi. Mardi, nous avons domifié. Diviser le ciel en 12 parties, c'est également, il est conseillé, bien entendu, dans un premier temps, de faire attention à votre horoscope aujourd'hui, voilà, à peut-être voir une prédiction, comme par exemple écouter carte oracle. Bon, c'est une plaisanterie, bien sûr, mais aujourd'hui, cette carte, elle vous dit que vous avez, votre journée, elle est reliée fortement à votre profil astrologique. Hein, voilà, tout simplement, également à les conseils qui sont associés à tout ça. Mais pas que, également, moi je dis domifier, c'est diviser votre journée. Ne pas se prendre les pieds dans le même soulier, hein, dans le même sabot, comme on dit. Eh bien, on partage les tâches, on divise. Pour être certain d'être bien organisé dans ce que l'on doit faire. On ne s'éparpille pas. Mercredi. Mercredi, nous avons Aphélie. C'est pas souvent qu'on la sort, Aphélie. Aphélie, elle peut nous dire que vous allez avoir peut-être, vous allez vous sentir loin de quelqu'un aujourd'hui. Ou bien tout simplement cette sensation d'être mis à l'écart. L'effet de cette carte est atténué. Si elle est tirée un mercredi, ça tombe bien, nous sommes mercredi, hein. Mais vous vous sentez sûrement éloigné de quelqu'un. Ou il y a un événement qui va arriver aujourd'hui qui va vous rappeler cet éloignement. Vous pouvez tout simplement apprendre aussi un départ. Hein, le départ de quelqu'un, le déménagement de quelqu'un. Et là, un côté positif, cette carte, c'est que vous pourriez aujourd'hui vous détacher enfin d'une personne qui était peu appréciée ou vous allez quitter une mauvaise habitude, une addiction également. Jeudi, nous avons Céraste.
Vipère particulièrement venimeuse. Eh bien, il va sans dire qu'au cours de la journée, vous allez croiser quelqu'un qui n'est pas des plus sympathiques, hein. Mais de toute façon, vous allez vous sentir protégé aujourd'hui, c'est comme ça. Vous allez vous sentir protégé contre ces attaques et surtout vous allez être certain d'être dans le vrai. Alors, il est quand même conseillé de redoubler de vigilance, hein, pour éviter ces incidents, pour éviter un problème qui pourrait vous porter préjudice parce qu'on ne va peut-être pas vous faire de cadeaux. Il va être sage également, dans la mesure du possible, bien entendu, de limiter les sorties ou bien tout simplement les nouvelles choses, les nouvelles expériences, peut-être aussi les nouvelles rencontres. Aujourd'hui, peut-être qu'on évite. Voilà, tout simplement. On remet à demain. Voilà. Parce qu'on pourrait croiser quelque chose de pas très agréable aujourd'hui en soi. Vendredi, veille de week-end, pâte à fleurie. Ah, oh, ben, pâte à fleurie, elle ne pouvait pas mieux tomber. Aujourd'hui, c'est la raison et le sérieux qui vont être chahutés. Ben, écoutez, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. De temps en temps, ça fait du bien d'être déraisonnable. C'est peut-être pas, on va dire, raisonnable, mais c'est plaisant, tout simplement. On va aujourd'hui se retrouver avec une situation qui va dépasser peut-être également toute logique. Et ça peut être dans tous les domaines. Hein. Et il ne faut pas s'attendre à des explications claires et rationnelles aujourd'hui. Non, 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 ça va être illogique. Mais c'est ça qui fait la beauté, en fait, de cette journée. Voilà, le raison et la sérieux, et le sérieux complètement chahuté. Et c'est pas plus mal, ça fait du bien de temps en temps de sortir des sentiers battus. Voilà les amis pour ces messages pour chaque jour de votre semaine. Allez, on va regarder tout de suite avec notre petit Lenormand, voir un petit peu par thème la semaine pour nos lions, béliers, sagittaires. Nos amis lions, béliers, sagittaires. À la coupe, vous avez... Et nous avons la fin de quelque chose. Alors, on peut apprendre une rupture, une fin douloureuse, hein, bien entendu. Mais vous pouvez apprendre de mauvaises nouvelles également, tout simplement. Mais vous pouvez aussi apprendre quelque chose qui va vous permettre, vous, de mettre fin à quelque chose. C'est une belle transformation qui peut vous arriver. Pour certaines personnes, c'est dans le domaine professionnel, mais ce n'est pas forcément négatif. Je m'explique. Peut-être que c'est vous qui mettez un terme à quelque chose dans votre domaine professionnel ou dans votre façon de faire. Et on va... Il y a du succès, en fait, qu'avec les étoiles, vous changez peut-être de route, vous allez vers une nouvelle orientation. On voit très bien, d'ailleurs, qu'il y a du choix derrière. Vous pouvez recevoir des nouvelles d'une institution aussi, tout simplement, d'un bâtiment public également, qui met un terme, qui met une fin à quelque chose, mais c'est un renouveau, ça vous permet d'avoir une nouvelle transformation et de peut-être aussi de faire un choix et de prendre un choix différent. Allez. De professionnel, activité, de finance. Elle a voulu venir, on va la garder. De sentimental et de inattendu, imprévu, relationnel également. Allez, hop! Alors, nous avons au dos. Nous retrouvons notre transformation, la fin de quelque chose, avec beaucoup de connexions. On peut mettre fin aussi sûrement à un réseau. On peut mettre fin peut-être à un profil, à quelque chose dont on n'a plus envie. Hein. Voilà, une connexion, ben on y met fin, on n'en parle plus. Il y a une belle transformation, en tout cas pour vous, ma consultante. Il est question d'avoir des nouvelles qui vont aller assez vite d'ailleurs. Et c'est un contrat, un engagement qui arrive là, en toute amitié, un coup de main peut-être que vous avez eu aussi pour mettre enfin ces choses en place, mais ça peut être également peut-être aussi un engagement sentimental pour certaines personnes. Il peut y avoir également quelque chose en lien avec le financier, les affaires, une transaction que l'on met en place et c'est que du bonheur. Hein. Regardez ça. S'il y a une fin de quelque chose, moi je dirais qu'elle n'est pas subie, elle est voulue. En tout cas, elle est agréablement prise et agréablement acceptée. Alors, professionnellement, nous avons... Un coup de chance, quelque chose qui se présente à vous. Alors, peut-être que vous allez voyager, vous déplacer dans le cadre de votre travail. Hein. C'est quelque chose, en tout cas, qui peut être un beau changement positif professionnel pour certaines personnes. Il va sans dire que par rapport au dos qu'on a vu tout à l'heure, s'il y a un gros changement qui arrive aussi pour certaines personnes dans le domaine professionnel, ça ne peut être que du bonheur. C'est tout à fait positif. C'est comme un... C'est quelque chose qui... Tout se transforme, voilà,
positive, en positive. C'est quelque chose de très très agréable qui se passe à vous. Pour certaines personnes, vous allez voyager dans le cadre de votre travail, vous allez vous déplacer. Vous allez peut-être aussi demander à vous déplacer une formation ou changer. Vous changez peut-être tout simplement d'endroit pour travailler, c'est que du bonheur. Pour d'autres, eh bien, tout simplement, il y a un gros changement, il y a un bouleversement qui vous arrive professionnel, c'est que du bonheur. Franchement, vous avez deux belles cartes là au niveau professionnel. Il y a un bonheur attendu, inattendu, il y a quelque chose qui arrive. Avec ce vert, cette couleur vert, c'est l'abondance, c'est la vitalité, c'est la joie. Le vaisseau, bah, ça peut être, c'est le mouvement. Ça bouge, c'est quelque chose qui est en rapport aussi avec la voiture. Hein. Il peut y avoir un déplacement également ben dans le cadre du professionnel. Hein. Alors, les finances. Attention, un peu de tension concernant les finances. Elle a voulu finir. Oh, c'est que du bonheur. Donc, s'il y a tension, ça va être de courte durée, j'ai envie de dire. C'est tout simplement, ça peut être aussi un désaccord avec une personne plus âgée que vous dans le cadre des finances. Peut-être aussi que il y a quelqu'un qui peut être désagréable hein, au milieu, dans l'environnement financier, j'ai envie de dire. Hein. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, vous avez le bouquet qui nous dit que de toute façon il y a quelque chose de beau qui va se passer, ça peut être également très officiel. Hein. Alors, il va sans dire que ce fouet aussi, c'est tout simplement qu'on va peut-être prendre une décision rapide, à l'éclair, vous voyez, c'est quelque chose qui va claquer comme un fouet parce que la décision va être rapide. On peut avoir rencontré ou rencontré une certaine difficulté passagère, mais qui peut être en lien avec une officialisation hein, avec un homme de justice, un banquier. J'ai l'impression que pour certaines personnes, on peut passagèrement rencontrer une difficulté avec un homme qui est en lien avec les finances. Hein. C'est de courte durée parce que vous avez le bouquet qui est là. Donc de toute façon, après, ça va s'arranger. On a quelque chose qui arrive. C'est une rentrée d'argent peut-être. Pour certaines personnes, vous avez peut-être eu des soucis, des difficultés financières. Et vous allez avoir une rentrée d'argent inattendue qui va calmer le jeu tout en on va permettre de retrouver une certaine paix et harmonie. Pour certaines personnes, de toute façon, je pense que c'est un peu pour tout le monde, il y a comme une certaine tension là, financière. Il y a peut-être une difficulté autour d'argent qui est là, qui, voilà, ça peut être tout simplement également avec un conflit avec quelqu'un qui représente les finances. Hein. Mais de toute façon, ça va finir par s'arranger puisqu'on a le bonheur qui arrive, la fin des difficultés par rapport à cette problématique. Nous avons, au niveau sentimental, il peut y avoir. Lors d'une festivité ou lors d'une sortie ou lors peut-être d'une réjouissance, quelque chose qui met un peu dans le doute. Il y a un truc qui se passe pas bien peut-être avec un homme ou en rapport en tout cas avec un homme. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas bien également par rapport autour d'un groupe. On se sent pas bien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui nous dit qu'on est tourmenté. On est tourmenté, peut-être qu'on tire. Il y a une période un petit peu sombre là. Il y a des décisions qu'on a envie de prendre, mais il est quand même conseillé, bien entendu, de ne pas prendre de décision à la va-vite, hein, les amis. Hein, on prend son temps. Hein. Je pense quand même qu'à un moment donné, sentimentalement, vous êtes bien, mais il y a une situation peut-être tierce hein, qui fait que on est un petit peu dans le. Des décisions qui sont à prendre et on ne sait pas trop lesquelles prendre. Vous voyez, on va la recouvrir après. Pour moi, c'est pas très méchant parce qu'on voit très bien que là, peut-être aussi que c'est simplement que vous avez l'esprit un peu confus là en ce moment. Alors, on peut avoir l'esprit confus aussi concernant une réjouissance ou une invitation à laquelle on est convié et on n'a peut-être pas tellement envie d'y aller non plus, tout simplement. Hein. Pour d'autres, là, je vais m'adresser aux célibataires. Si vous sortez faire la fête, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui a un peu l'esprit confus, donc soyez extrêmement prudent. Ou c'est peut-être vous qui avez l'esprit confus d'ailleurs. Hein. Alors, l'inattendu, c'est quand même cet équilibre qui revient. Cet ancrage que l'on souhaite également, et par rapport à ça, il va falloir faire un choix. Il va peut-être falloir prendre une décision. Certainement que vous êtes très lié à quelque chose, comment on peut dire, il y a un attachement hein, ou à un lieu ou à quelqu'un.
Mais de toute façon, il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision définitive. Hein. Et c'est quelque chose à laquelle vous êtes fortement attaché d'ailleurs. Hein. Donc si ça concerne le sentimental, vous êtes très lié à cette personne, mais il va falloir à un moment donné vous décider. Mais si c'est une activité tout simplement d'une situation de la vie de tous les jours, il va falloir également prendre une décision. La décision peut intervenir également est en rapport avec le financier, où on voit qu'au départ, il y a eu un petit peu de disputes, il y a eu un petit peu de soucis. Mais à un moment donné, de toute façon, pour retrouver son équilibre, on va prendre une décision. Alors, je vais mettre... Avant, je vais recouvrir le sentimental. Pour voir un petit peu ce nuage. Pourquoi ce nuage dans le sentimental? Pourquoi y a-t-il un peu de confusion? Bon, c'est pour un homme. Alors, je vous disais... Ah oui, d'accord. Alors, certainement que pour certaines personnes, vous allez bien rencontrer un homme qui a l'esprit confus, qui n'est pas bien. Peut-être qu'il est en situation de séparation et on sent qu'il y a de la trahison autour. Il y a peut-être une ex qui traîne. Quoi qu'il en soit, également, pour certains, et ça ne parlera pas à tout le monde. Hein, vous prenez uniquement si vous vous sentez dans cette situation. J'ai le sentiment que là, justement, peut être lié à une complication financière en lien avec une séparation ou un jugement qui a peut-être été rendu, d'où ce conflit, maintenant que je peux comprendre, qui est là, parce que vous avez peut-être, vous êtes en séparation, vous êtes en divorce pour certaines personnes, c'est confus. On voit bien qu'il y a de la trahison, il y a quelque chose qui perturbe, hein, d'où, effectivement, ensuite, pour retrouver sa stabilité, il va falloir prendre un choix ou prendre une décision et faire un choix. Ça entraîne peut-être effectivement également le domaine financier. Peut-être aussi que si pour certaines personnes, il y a un suivi, s'il y a un changement professionnel très important pour vous, le conjoint peut-être ne suit pas. Et on peut voir qu'à ce moment-là, il y a une légère mésentente avec ce sentiment effectivement d'être manipulé ou il y a de la manipulation autour de vous également sentimentalement pour certaines personnes, hein, bien entendu. Alors, on va en mettre un pour avoir d'autres informations avec l'oracle du muséum. Faites attention, amis célibataires, pour la rencontre de quelqu'un qui peut être manipulateur. Alors, l'oracle du muséum pour le week-end du 22 et 23. 22-23. Professionnel. Finance. Sentimental, l'inattendu. Alors, professionnel, nous avons la rose ancienne, l'épanouissement. Ben oui, de toute façon, on voit très bien qu'il y a quelque chose de magnifique hein, qui vous arrive professionnellement. Hein. Il va sans dire. Moi, je vais la mettre comme ça, que vous puissiez quand même la voir parce qu'elle est très belle. Alors, cette rose, c'est l'épanouissement, c'est le... On est régénéré, il y a quelque chose de beau qui arrive là. Il y a une belle, comment je dirais, énergie qui est autour de vous. Elle est comme magique. Elle va vraiment vous aider à prendre une belle direction et vous aider d'ailleurs à prendre la direction que vous avez choisie. Hein. Elle vous fait avancer, elle va vous régénérer. On voit très bien que cette carte là vous invite aussi à vous déployer et à vous épanouir. À mettre en fait, on voit qu'elle met en lumière toute la bonne volonté, la volonté que vous avez. C'est magnifique, ça ne pouvait pas mieux tomber. Alors, nos finances, croissance ou chute rapide, nous avons les deux. Alors, si nous voyons le côté positif, qui est quand même bien hein, déjà, hein, on voit qu'il est question quand même d'une croissance qui s'annonce, qui va être là. Il y a eu conflit, mais la croissance, elle arrive. On vous conseille quand même d'être prudent, bien entendu. Ben, c'est un peu ce qu'on a pu voir également avec le jeu derrière. Hein. Le lys, c'est également la sagesse. Hein. On voit que la situation va évoluer rapidement, hein, peut-être même de manière fulgurante autour de vous. Il va y avoir une avancée significative
qui va prendre la forme de quelque chose qui grandit. Les soucis vont disparaître. Les soucis peut-être de finances d'ailleurs vont disparaître. Hein. Et je vous le souhaite. Hein. Il y a une accélération qui va quand même être, qui va être là et qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Maintenant, pour d'autres personnes, on voit que, attention, quelle que soit la cause, ça pourrait rendre votre situation un peu plus fragile. Et on voit très bien qu'il y a de la tension. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, il y a une situation un petit peu fragile. Concernant les finances, bon, la fin elle est heureuse puisque le bouquet il est là, hein. Mais donc cette carte n'est pas sortie pour rien non plus. Alors sentimentalement, on a ce vendeur, faites attention, ça me fait penser aussi à cet homme qui a l'esprit, on va dire, un petit peu confus, ou cet homme qui essaye de vous charmer, manipuler. Ben, un vendeur c'est un peu ça aussi, hein. C'est pas péjoratif, mais on essaye de vous vendre un petit peu tout et n'importe quoi. Bon, il y a également quand même pas que ça, hein. On voit qu'il y a des négociations, donc on peut discuter de choses également. Peut-être même qu'il est question de discuter de choses. Hein. Alors, il n'est pas aussi, c'est pas forcément des transactions là, c'est simplement des échanges. Je pense que là, il va falloir échanger, il va falloir aussi peut-être ouvrir les yeux, voir un petit peu... Pour être juste, pour voir un petit peu et précis dans ce qu'il est question, parce que je pense que cette carte, elle annonce des échanges, bien entendu, des échanges qui vont avoir lieu, mais comme je vous le disais, attention qu'on vous vende pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on vous fasse pas prendre des vessies pour des lanternes, comme on dit. Hein. J'ai l'impression qu'il va falloir voir clair dans le jeu, peut-être d'une. Ou d'une personne, oui, de toute façon, puisqu'on voit très bien qu'il y a de la manipulation. Hein. Donc, attention dans les échanges qu'il peut y avoir, oral ou écrit. L'inattendu. Ah, l'inattendu, c'est une intervention magique, une belle protection par rapport à cet équilibre et par rapport à ce choix que vous allez devoir faire. Ben, c'est également une très belle continuité, hein, tout à fait. Là, c'est comme s'il y avait un instant magique qui est en cours. C'est quand même beau, non? Pour la situation qui est la vôtre. Comme si vous aviez une belle protection supérieure qui veille sur vous. On a quelque chose qui nous fait dire là qu'il faut que vous croyiez en la magie par rapport à ces nouvelles choses qui sont là, qui vont faire changer le cours des choses. Et il faut vous laisser porter par les bénéfices. Les mollusques, c'est la belle protection. C'est les témoins de l'harmonie parfaite. Ils ont des coques qui vous protègent. Ils traversent le temps. Ils portent avec eux, d'ailleurs, tous les secrets du monde. Hein, tous les secrets. C'est l'intervention magique, la protection d'en bas, d'en haut. C'est, voilà, on ne peut pas mieux dire, c'est la protection. C'est vraiment le côté inattendu des choses qui va vous permettre de prendre la bonne direction. Très beau, très, très beau message. Bon. Alors, maintenant, les amis, si vous le voulez bien, on va prendre une carte avec l'oracle d'Aï, carte oracle, 17, et pour chaque signe. Une ou deux, bien entendu, hein, ne soyons pas radins. Allez, on va démarrer pour nos amis lions. Pour nos amis lions, pour la semaine du 22-23 avril 2023. Un million. Allez, on démarre pour nous un million. Avec un homme ou pour un homme, eh bien, il y a de l'inattendu, il y a un coup de chance, il y a quelque chose de beau qui s'annonce à vous un million. Eh bien, je vous le souhaite en tout cas, une consolidation, regardez ça. Il y a une superbe surprise qui vous arrive à million avec un homme, en rapport avec un homme, ou pour vous, si vous êtes un homme, bien entendu. Il y a un inattendu, on va fêter quelque chose, j'ai l'impression, il y a des cadeaux qui arrivent, il y a une surprise, il y a quelque chose de beau qui se présente à vous pour cette semaine, pour nos amis lions. Allez, pour nos amis béliers, pour la semaine du 22 au 23 avril,
Oh, ami Bélier, on se sent un petit peu coincé là. On a encore des efforts à fournir, on se sent résigné, mais vous allez avoir un coup de main. Vous allez pouvoir vous confier à quelqu'un, une amie, une amie, il y a quelque chose dans toute amitié qui va vous permettre de vous donner un coup de main et ça fait du bien hein, quand on se sent soutenu. Et on va retrouver la santé. Alors maintenant, peut-être qu'on traverse un petit problème de santé, un petit problème où on n'est pas bien, ça peut être le mental tout simplement. Bon, on voit très bien que de toute façon, vous allez avoir un coup de main. Vous allez pouvoir vous confier à quelqu'un parce que vous vous sentez bloqué. Ça peut être le mental, hein. On n'est pas bien, on se sent bloqué. On est, voilà, regardez. Le fait de vous confier à quelqu'un, d'être aidé, vous allez être soutenu, vous allez pouvoir, les choses, on va pouvoir mettre en place quelque chose. Vous allez pouvoir sortir de là, vous allez pouvoir, et d'une, ça fait du bien de parler. Et deux, ça fait tomber les obstacles d'avoir quelqu'un qui vous donne un coup de main. Les choses vont finir par s'arranger. On va pouvoir acter quelque chose de nouveau, en tout cas. Voilà, amis Bélier. Et pour nos amis Sagittaires, il y a quelque chose qui est tout tracé en vous, là. Il est question de votre futur, il est question de votre avenir. Pour l'instant, il y a quelque chose que l'on ne veut plus. Alors, ou il y a eu un refus de quelque chose, ou c'est vous qui rejetez quelque chose. Vous ne voulez plus ce quelque chose pour votre futur. Et regardez ça, c'est beau, non? Il y a quelque chose que vous ne voulez plus pour votre futur. On le rejette. Pourquoi? Parce qu'on ne veut que du positif. On rejette le négatif pour apprendre, pour ne prendre que le positif. Et vous avez bien raison, ami Sagittaire, c'est joli. Comme tout. Voilà les amis. J'espère que ce tirage, cette guidance du week-end du 22-23 avril 2023 vous aura parlé, vous parlera. Merci, merci pour tout. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos pouces, j'aime. Merci de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, n'importe quoi. C'est une semaine hein, que je vous souhaite. Hein. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous pour les tirages du jour. Et je vous dis à bientôt.